Ouais, salut les oiseaux, c'est Parano, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Infamous Second Son et on devait vite faire la mission principale parce que depuis tout à l'heure je fais que des missions secondaires donc on enchaîne direct avec cette mission. Rage, t'as raison. Ils s'agitent mais personne ne tire. Et maintenant ils ordonnent à la police d'évacuer une zone près du front de mer. C'est sans doute quelque chose que personne ne doit voir. Ça les dérangera pas que je jette un œil? On dirait qu'ils ont tapissé tout le secteur de VBTT. Reste bien sur les toits. Tu te fais trop de soucis. Reg, t'es jamais dit à quel point la vue était belle d'ici. Tu dois rester concentré. On fera du tourisme plus tard, ok? Nelson, c'est Betty. Betty, c'est vraiment pas le moment. Ne commence pas. Cette fois, écoute-moi bien. Il est temps que tu arrêtes toutes tes bêtises et que tu rentres à la maison. Bientôt, Betty. Je veux juste... Je sais ce que tu veux. Tu veux juste essayer de réparer ce qui s'est passé. Mais non. Je ne suis pas la pauvre vieille innocente que tu croyais. Betty, tu comprends vraiment pas. J'apprécie vraiment beaucoup ce que tu essaies de faire. Mais arrête tout de suite. Que tu rentres en entier à la maison, c'est tout ce qui compte pour moi. Pas encore. Bientôt, c'est promis, mais... pas encore. C'est à cause de Reggie que tu restes. C'est un bon garçon, mais une vraie bourrique dès qu'il a décidé quelque chose. Si tu lui disais que tu veux rentrer à la maison, il serait d'accord. Il ferait n'importe quoi pour toi, tu le sais, ça. Betty, il faut que je te laisse. Merci d'avoir appelé. Tu dis à Reggie que Betty a dit qu'il est temps de ramener vos fesses à la maison. Et dis-lui bonjour. Direct, je me suis fait concircuiter. Concircuiter. Faudrait que j'étais. Oh là là, comment je vais faire pour passer là? Je les vois pas. D'accord, parce qu'elles sont là. Ça me fout ailleurs. Attends, mais c'est parce qu'en fait, c'est pas là qu'il faut aller. What? Reg, y a des traces d'incendie partout. On dirait plutôt mon style. Donc, il y a un autre porteur à fumer. Ça devrait pas te surprendre, vous n'êtes pas tous uniques. Ah, je crois que j'espérais découvrir un nouveau truc. Montre-moi ce que tu veux dire par trace. Wow, je me sens... Tu sais qui m'en fera autant. Reste ici, ma gueule. Attends, j'en entends un autre. Ils disent que c'est le fameux Hank. Mais je croyais que t'avais dit qu'elle l'avait déjà tué à Salmon Bay. Elle l'a tué. Enfin, je croyais qu'elle l'avait tué. Non, je l'ai vu le tuer, il est mort, ça j'en suis sûr. Continue à chercher. Oh là, laisse-moi tranquille.
Ah, je crois que tu pouvais faire un double kill, quoi. J'ai jamais été invisible en fait. C'est grave stylé, je trouve. Je peux faire TB. En plus, j'ai l'ange qui fait diversion. En même temps, il a dit quand j'ai tapé, quoi. Ok, Reggie, je dois admettre que je m'étais trompé. Que je prenne quoi là? Wesh, il est fou leur truc là. Ah, c'est les papiers. Tu peux la garder, ce sera ton cadeau de Noël en avance. Hé, Delsin, tu dois m'appeler quand tu décides de venir saccager tout le centre-ville. C'est pas moi. J'ai sous les yeux un bonhomme en train de massacrer les hélicos du DUP. Attends, mais tu peux les voir? Mais t'es où? En haut d'un immeuble, près de la 12ème et de Union. Avant de faire ça, d'accord, je viens de comprendre le sens de pourquoi il y a le rond là. Ça, je prends un petit peu là. Et je crois qu'avec le quatrième, je pouvais. Exact. Invisibilité, on le fera plus tard. Ça, il me manque juste 5 fragments. Merde, c'est de l'autre côté. Voilà, comme ça, j'ai pu augmenter le truc et je peux aller plus vite, quoi. Je peux aller plus loin. Oh, oh, oh. Ah mais c'est toi qui me tire dessus depuis tout à l'heure. T'imagines le mec qui est derrière moi là? J'ai une femme et des enfants. Mais qu'est-ce qu'il fait le con là? Il envoie des épées. Pourquoi tu t'intéresses à ce type? T'as déjà la fumée? Parce que je crois que c'est peut-être le gars qui faisait partie du même convoi que toi. Celui qui m'a filé mes pouvoirs. Tu parles de ce gros type en sueur, Hank? Ouais. Et s'il s'est échappé de la tour d'Augustine, il pourra peut-être me dire comment on fait pour y entrer. Tu veux venir m'aider? Non. Non, je le sens pas ce type. Je crois que je vais me détendre et mater le feu d'artifice. Delsin, écoute. Fais quand même gaffe. Je fais pas confiance à ce gros blaireau chauve. Bien sûr, mais je suis pas non plus sans défense, ok? En plus, on a déjà un point commun tous les deux. On peut pas blairer Augustine. Ouais. Bonne chance. Reggie, je le vois. Il est sur un toit plus bas. Il essaie de repousser les hélicos. Ok, mais écoute. Ne laisse pas le DUP le rattraper. Ok, j'ai pigé. Et ne laisse pas le tuer non plus. Et toi, ne le tue pas. Mais ne le laisse pas s'échapper non plus. Je sais pas si je me souviendrai de tout. Je vole. Reg, je suis sur le toit. Hey. Non. Quoi, tu l'as perdu? Non, je l'ai pas perdu. Je garde juste mes distances. Délibérément? Attends, il peut pratiquement voler. Ouais, sérieux? Et toi aussi. En trois langues même.
Comment ça se fait qu'il peut... Hank, est-ce que t'as envie de mourir? Petit, Reggie, je l'ai. Avec ce point, je me tire. À toi de jouer avec les hélicos. Bordel, Reg, tu lui as plus peur. Merde, Reg, j'ai perdu. Lanterne District, marché Ing A. Le standard de la police en fumerait presque. Tout le monde parle d'un bioterroriste. Un truc de ouf quoi. Et je parle pas beaucoup parce que franchement je suis concentré quoi, je suis concentré. Je suis à fond dans, dans la game là. J'adore ces trucs de parabole quoi, c'est abusé. Non. Encore une fois je vais pas faire ça. Hank, attends! Je te veux pas de mal, je voudrais juste ton... Non, laisse tomber, en fait, je l'ai déjà. Hank, j'ai besoin de ton aide! Fous pas là-dessus! Tu veux pas ralentir? Je veux juste te parler! J'ai rien à te dire, moi! Te préviens, gamin! Fous-moi la paix! Dans tes rêves! Hank! Allez mec, j'ai pas envie de faire ça! Alors arrête! Je voulais le découper en deux, tu sais. Hank ? Mais comment t'as eu ce numéro ? Dans l'annuaire. Excuse-moi pour le tout petit coup dans les gencives. Mais je sais qu'on peut pas te parler tant que t'es pas calmé. Ça va, t'es calmé ? Je te jure que quand je t'aurai retrouvé, je... Je te rappelle dans une demi-heure. Non, attends, je suis calme. T'es sûr ? Parce que jusqu'ici, tout ce que t'as fait, c'est me courser, me gueuler dessus et m'agresser. Je veux mettre Augustine hors course, mais j'ai besoin de ton aide pour ça. C'est le genre de deal qui pourrait m'intéresser. Super ! Alors on devrait... Attends. Les mecs du DUP commencent à s'agiter. Il se passe quelque chose. Je vais voir et je te rappelle. Très bon, Reggie, ça. C'est moi. Oh, Delsin, tu m'as foutu la trouille. Tu répondais plus. Pardon, mais j'ai retrouvé Hank. Il est prêt à nous aider pour éliminer Augustine. Quoi ? Non, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, vieux. Allez, tu sais quoi, frangin ? Tu t'inquiètes trop. Ouais, ben, peut-être que c'est toi qui t'inquiètes pas assez. Écoute, sois prudent. Fais attention.
Tu t'inquiètes trop. Ouais, pas assez. Je l'aime trop leur... Comment dire? Tous les deux, comme ils sont entre eux. Genre la famille, on dirait moi et mon frère. Ils me font grave délirer quoi. Bah tiens, voilà, on va profiter de l'occasion. Pour aller faire cette zone. Et là, pourquoi pas? Je suis où moi? Là, je suis là. Allez, on va prendre ça direct. Merde, quel con. C'est vrai que pour ces scapes, ça c'est hallucinant quoi. Mais évidemment qu'on fait pas la merde parce que là j'ai fait du caca boudin là. Ça attaque à tout le monde. Laisse-le tranquille, wesh. Il s'attaque à tout le monde, lui. Il fait délirer. Vas-y, mais rentre chez toi, frère. Il a pas d'amis, le linge là. Qu'est-ce qu'il a? Où la caméra? Je la vois pas. Bon sang, c'est type moi la bonne. Ok, ça va être la même que tout à l'heure. Du fait qu'il y a un toit là, comment on fait? Ça va quand même tomber ou... Et non, sérieux, en plus c'est pas tombé. Oh la raclure quoi. Ça c'est bien pensé, mais je me suis fait bien avoir là. C'est mis un mur, lui. Ok, j'ai cloué tout le monde au sol. Mis à part les deux hélicos. Volera du sol ou quoi?
préfère, ok. J'ai plus de pouvoir. Boum. Hop, hop. Ah, c'était là que ça faisait boum. Ok. Ah, moi les fragments. Avec les trucs au sol, je vois même plus ce qu'il y a des fragments. Et... Attends, il y a quoi là? On va faire ça. On va faire ça tranquillou, tranquillou. À moins que je fasse le dossier et je revienne comme ça, je replie quoi. Ouais, pourquoi pas. Oh oh. Dossier qui doit se trouver par là. Pourquoi pas? Oh non, t'es sérieux? Oh là 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 là. C'est pas sadique de faire un truc comme ça quand même. Non, sérieusement, c'est pas sadique de faire un truc comme ça. C'est des ouf quand même. C'est un bébé avec un casque militaire. Rien à voir. Le mec on dirait ce drogue, tu sais. C'est une dynamite? Non. C'est un bébé sous acide. Non, en plus c'est vrai quoi, c'est un bébé. Pourtant j'ai pas lu hein, ce qu'il y avait marqué sur le truc hein. Lol. C'est mon bébé. Julia. On devrait me payer pour ça. Bastonner, on va se bastonner. Bastonner, tu vas te bastonner. T'as de la chance, je te remets un taquet, mon gars. Yes. Ok, pourquoi pas. Zip, 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 zip
En fait, ils ont mis plus de fragments que de trucs. Comment ça se passe? Dites-moi qu'il y a une game plus après. Que je recommence avec tous les points. J'ai tout quoi. Bon, mais j'ai tous les trucs. C'est fat. Ça, c'est droit devant. Je suis où moi? Ah, mais si je suis invisible, je peux pas me voir. LOL! C'est vraiment vrai en plus. J'espère que ça a coûté une fortune. J'ai peur que si je fais ça... Non, ça va. Je crois que j'ai le tuer. Mais ça va pas m'empêcher de le faire, hein. Je l'ai quand même fait. En fait, dans tous ces jeux, ce qui est bête, ce qui est bien et bête à la fois, c'est qu'en fait, ils te proposent, c'est comme dans Far Cry. Quand tu commences à avoir vraiment toutes les armes et tout, je me rappelle que dans Far Cry, c'était frustrant. Et même, j'ai dû le recommencer vraiment pour m'éclater. Pour la simple et bonne raison que, en fait, quand tu fais tout, t'as tous tes pouvoirs, que tu clean toutes les zones, que t'as vraiment envie de t'amuser parce que là, t'as tous les vraiment les pouvoirs, mais genre, t'as plus rien à faire. Et c'est ça qui est frustrant sur ces jeux. Far Cry c'était pareil, genre il y avait une carte, elle était immense. Mais en fait pour upgrade tes pouvoirs il fallait quoi? Pour avoir des armes et tout ça, il fallait que tu tues les sortes de camps qu'il y avait. Donc à la fin, ce que je faisais moi, c'est que dès que j'ai recommencé le jeu, je gardais les armes vraiment que je voulais. Et genre je tuais jamais les camps en fait. Comme ça tout le temps les mecs ils revenaient. Parce que là c'est pareil en fait. Là dès que je clean les zones, il n'y a plus de dégâts. Il y a toujours une voiture ou deux. Mais genre voilà, c'est du vite fait quoi. Et c'est pareil. Donc c'est pareil dans tous ces jeux, c'est toujours le même délire du tu en fait pour avancer dans la mission, il faut que tu fasses des missions secondaires et pour faire les missions secondaires, ça te fait avancer. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pas longtemps, j'aurais tagué tous vos panneaux. Oh, très bien. Jouez là comme ça. Allez, ma fille, amène-toi. Ah, je crois que ça il avait déjà Jizz. Il avait déjà dit J. Ça pique. Donc qu'est-ce qu'il y a là cette fois-ci? C'est quoi la mission? Oups. Ça m'étonnerait que tu me tiennes. J'ai vu comme il était surpris. Sniper. Ah, je me suis coincé dans une cage, bordel. C'est où les autres? Toi, t'es arrivé au mauvais moment, sorry. C'est vraiment énorme d'être un fantôme, quoi. D'être invisible. Franchement au début j'en voyais... Merde. J'en voyais vraiment pas trop l'utilité, mais en fait c'est énorme. T'es sérieux, il est là? Lui c'est le perso relou à tuer à chaque fois. Merde, je me suis aspiré dans... Quel con. Tu vois, c'était plus le con. Ah,
Ah, c'est le perso que tu peux pas approcher quoi. C'est, tu peux pas lui faire des attaques. Veste personnalisée Lucky 7. T'avais juste un truc là. Pour le coup, j'ai besoin de drainer. Si tu m'amènes directement à la mission, franchement. Je dis pas non, bro. Alors, Nex fait ta basse. En plus, c'est lui. Ah, par contre, j'ai pas le pouvoir. Ah, mais je pense que. Ça peut le faire, non? Il est où? Et en fait, ce truc, ça pose poursuivre tard pas longtemps si on tue pas le mec, quoi. Je crois que la première fois, j'avais pas tué. Ouais, je crois que ça peut se passer. Ce qui est bien avec le néon, là, c'est que tu vois, je le ralentis direct. Le mec, il va courir pendant 800 heures. Il m'a amené je sais pas où le chip là. T'es nul mec. J'ai tué un civil en même temps mais bon. Tu voulais que je fasse quoi? Tu voulais pas que je... J'avais pas le choix mec. J'avais pas le choix, je te jure. Hein? C'est quoi une chinoise ou quoi? Merde, j'ai oublié de déverrouiller la cage. Zut, raté. J'aurais trop aimé, tu sais. Le petit coup en l'air là. Ok. Tac tac tac. Poste de scan 2. Pourquoi 2? Ah, peut-être là à la frontière. Parce que là j'ai plus rien ma gueule. Hein. Alors fais pas le mytho. Putain, je vais sauter trop loin. Oui, je voulais tuer la mouette, et alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a des mecs sur le toit là? Ah ouais, j'ai même pas capté. Sérieux, j'ai mis un coup de pied, il a fait ça? Bon, tu peux pas mettre coup de pied. Sérieusement, je comprends pas à quoi servent les fragments là. Ah là, tu pouvais le mettre. Ok, bro. Donc, hein? Deux? Non mais c'est pas possible, là il y a un bug. Il y a un bug parce que j'ai tout fait là. Donc t'arrêtes de m'emboucaner, ok. Dis pas que je vais pas me donner mon 100% à cause de ça. Alors je pète un câble mec. Peut-être qu'il faut terminer la mission, je sais pas. En tout cas c'est ce qu'on va faire là maintenant. Oh putain, sérieux mec. C'est sérieux quoi. Mm-hmm.
Allez, c'est parti. Salut, oncle. Écoute, gamin, j'ai réfléchi. Tu sais, tout à l'heure, quand tu me coursais sur les immeubles avec les hélicoptères et tout... Ouais, écoute, je suis désolé pour ça. Non. Ce que je voulais dire, c'est que tu maîtrises vraiment les pouvoirs de fumée que je t'ai donnés. Ouais, justement, il va falloir que tu m'en apprennes un autre. Quand tu t'es échappé de sa tour, comment t'as fait pour franchir ces clôtures électrifiées? Tu vas devoir désactiver un transformateur sur un toit en face. Mais ça va pas être facile. Elle l'a fait renforcer et il y a la moitié des forces du DUP qui montent la garde autour. Ouais, mais peut-être que si on faisait équipe... Eh, ma spécialité, c'est de m'échapper de ce genre d'endroit. Pas d'y entrer. Écoute, toi et moi, on a nos raisons de courir après Augustine. Elle a quelque chose qu'on veut tous les deux. Mais on doit faire ça à notre façon, pas à la sienne. On doit la tirer hors de sa forteresse, ici. Là où on peut la combattre. Ouais, les idées? Tu te rappelles des deux gamins qui étaient dans le convoi blindé avec moi? Fetch et Eugène? Ouais, peut-être. Bref, le DUP les détient. Quoi? Ça vient d'arriver. C'est pour ça qu'ils s'excitaient tout à l'heure. Elle a dû vouloir les coffrer pour se venger de m'avoir laissé filer. Elle les envoie sur une énorme plateforme en béton que le DUP a construit entre les deux îles. Alors on doit les aider. Il y a un quai juste en face de cette plateforme. Retrouve-moi là-bas juste avant le coucher du soleil. J'y serai. Reggie, Eugène et Fetch... J'ai entendu, c'est bon. Hank et moi, on a mis au point un plan pour attaquer l'île, éliminer les soldats du DUP qui montent la garde et... Delphine, j'ai réfléchi. Il y a trop d'innocents parmi les victimes ces derniers temps. Des gens normaux. Normaux? Merde, Reg, tu vas pas recommencer avec ça. Et je suis pas sûr de vouloir t'aider à allonger cette liste, ok? Juste pour libérer deux ou trois bioterroristes. Reggie, je... Je suis flic. Je suis censé empêcher ce genre de choses. Alors, rappelle-moi quand ce sera terminé et on rentrera à Salmon Bay. Hé, hey, Delphine, méfie-toi de Hank. Il m'inspire pas confiance. Qu'est-ce que tu fais là? Écoute, ce sont des gens là-bas. Ils ont besoin d'aide. Ce ne sont ni des bioterroristes, ni des porteurs. Juste des gens. Je te remercie. Et merci de... d'être venu pour... Qu'est-ce qu'il fout là, le flic? C'est mon frangin, ok? Il est là pour moi, d'accord? C'est quoi le plan? J'ai fait du repérage. Notre meilleure chance, c'est le dernier quai. Il est moins exposé. Vous pourriez tous les deux utiliser votre... don avec la fumée pour attirer leur attention. Je réquisitionne un bateau et j'en profite pour passer. Et pourquoi tirer en premier? Parce que je suis flic. Donc si je réquisitionne un bateau, c'est légal. Toi, tu fais ça? Je te colle en tôle. Ah, il le ferait, hein. Vraiment. Ok. On se voit à l'intérieur. D'accord. Ouais. On se voit à l'intérieur. Fais gaffe, ok. Bon, écoute. On va aller là-bas et faire du bruit. Ça fera débarquer Augustine. Allez, viens. Je connais un moyen de gagner l'île sans se faire voir. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pourtant vu Augustine te tuer. Tu l'as vu mettre une petite claque. Ça a rien à voir. J'aurais pas dû prévenir le flic. C'est une erreur. C'est marrant. Il a dit la même chose de toi. On y est. On se l'attend de par là. Et on devrait ressortir en plein milieu du bordel. T'es sûr de ça? Eh, quand j'étais dans la tour, j'ai vu des trucs. Une dernière chose. Ils ont un de ces drones là-bas. Ce qui te permet de renforcer tes pouvoirs. Comment t'es au courant de ça? Franchement, je cracherai pas sur un nouveau pouvoir avant d'écraser cette chère Augustine. On y va. D'accord, ok, donc tu es obligé de prendre le pouvoir de... Ok, voilà le plan. D'abord, on va exploser les piliers de soutien. Ils vont sentir le tremblement et ils enverront des gardes en bas pour voir. On les élimine et Augustine va rappliquer. On va faire vite. Haha! Je
je te l'avais dit. Désolé de pas t'avoir cru. Sans bavure. J'arrive pas à croire qu'on explose ces trucs. Garde-en un peu pour le DUP. Obligé ça. Attends un peu, là je te chauffe. Ce délire me fait chier. On va emmerder un zéro pour ce con. Ensemble, on est invincible. On va tous devoir s'y mettre pour arrêter Augustine. T'es prêt à recevoir un autre pouvoir? Ouais, mais comment t'as... Allez, elle va pas tarder à rappliquer. Si tu restes là, tu vas mourir. Quel pouvoir tu récupères ? Quoi ? Tu me fais plus confiance tout à coup ? Je sais pas, il y a un truc qui cloche. Je devrais peut-être appeler Reggie. Hank ! Henry ! Alors là, je vous félicite. J'ai fait ce que vous avez demandé, alors tenez parole !
Espèce d'enfoiré, je te faisais confiance! Ne jamais croire un détenu. On a trouvé quelque chose à ta taille, mais... juste pour être sûr... Ah, ma pauvre. Quand mon frère saura ce que vous avez fait... Il va vous. Il va faire quoi? T'as bien failli m'avoir, putain! Ouais, c'est pour tout ce que tu m'as fait subir avec les anges! Allez, lève-toi! Ramène-toi, je vais t'enlever ces menottes! Viens par là, je te couvre! Rage, elle est toujours vivante! Elle va nous retomber dessus, et je peux pas utiliser mes pouvoirs avec cette saloperie de béton! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un piège! Hank nous a conduits ici pour qu'Augustine puisse nous tuer! Je le savais, je te l'avais dit! Putain, j'arrive pas à saisir pourquoi il nous ferait ça! Viens par là, je te coupe! Rage, elle est toujours vivante! Elle va nous retomber dessus, et je peux pas utiliser mes pouvoirs avec cette saloperie de béton! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un piège! Hank nous a conduits ici pour qu'Augustine puisse nous tuer! Je te l'avais dit! Putain, j'arrive pas à saisir pourquoi il nous ferait ça! C'est un criminel, et c'est ce que font tous les criminels! T'as peut-être déçu. Mais ça te fait pas de mal d'écouter ton frère de temps en temps! Oh, la zone remue, quoi! Je dois me grouiller, je battrai pas Augustine comme ça! C'est bon, ramène-toi! Ouais, j'essaye! C'est quoi ça? Je l'ai eu! Et j'ai plus de grenades! Il va falloir qu'on fasse ça à l'ancienne. C'est-à-dire? Pose tes mains là-dessus. Bouge pas. Je savais qu'il était pas réglo. Ok, ok, t'avais raison. Je t'avais écouté, on serait même pas là. Bah, autant qu'on est ici, on devrait en profiter pour sauver. Personne. Oh, attention! Abandonne! Tu vas foutre la paix à mon frère, connasse! Attends, Simon. Prêtez! Non, je vais y arriver. Non, écoute, il faut pas que ce truc te touche toi aussi. Delcine, je suis tellement fier de toi. Je l'ai toujours été. Non. Non, je t'aime, frangin. Non. Thank you.
Il t'avait rien fait! Pourquoi ? Torturer mon peuple!
Ça, je l'ai bien senti. Crève ! Ici Kurt Wyatt, en direct du théâtre d'un terrible affrontement entre le DUP et une poignée de bioterroristes. Au moment où je vous parle, la dernière structure construite par le DUP coule dans les eaux glaciales du détroit de Puget. D'après les témoins, la seule survivante serait la chef du DUP, Brooke Augustine, aperçue pour la dernière fois se dirigeant vers la tour de béton qui lui servait de QG depuis l'arrivée du DUP il y a presque 2 semaines. Toutefois, nous n'avons toujours pas réussi à joindre Madame Augustine à l'heure qu'il est. On nous fait également part de plusieurs rassemblements isolés de citoyens favorables au DUP qui exigent que l'on mette fin à la vague de bioterrorisme à Seattle par tous les moyens nécessaires. Pour US TV, c'était Kurt Wyatt, en direct de Seattle. Je suis désolé. Tu le savais, tu m'avais dit de pas faire confiance à Hank. Je t'ai pas écouté. Mais je te promets, cette espèce d'enfoiré va nous payer. Où est Hank Daughtry? Je sais qu'il a fait un deal avec Augustine. Alors où il est? Je suis en mode énervé, donc désolé si je parle pas beaucoup. J'aime bien quand il y a ce style de combat. Genre vraiment laisser la musique à fond, laisser l'ambiance et laisser profiter un maximum. Dites-moi où est entré? Merde.
J'aurais dû en garder un vivant pour répondre aux questions. Je sais au moins qu'il est vivant. J'ai plus qu'à le trouver. Attends, il m'avait appelé. Son numéro doit être dans le journal des appels. Bingo. Yep, donc la mission n'est pas terminée encore, on a encore pas mal de trucs à faire quoi. What? Ah, on s'est retrouvé ici, d'accord, j'avais pas compris là d'un coup, j'allais dire wesh, il se passe un truc. Par contre, les 9% ils ont fumé là. Donc, je verrai quand je terminerai cette zone, peut-être que c'est là dans l'angle, mais je comprends pas du tout là. Donc écoutez, la vidéo va s'arrêter ici pour ce. Pour ce combat qui était quand même pas mal du tout, j'ai beaucoup aimé. Donc nous on s'arrête ici et on va direct, je vais direct enchaîner la seconde. Hein, quoi, la seconde. Là je suis presque à la 6 ou 7ème vidéo direct que j'enchaîne. Donc comme d'habitude les oiseaux en mode walk machine. Donc passez une bonne soirée, une bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi j'enchaîne direct pour... ça y est maintenant je vais voir la fin du jeu là, obligé. Donc je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé encore la vidéo, c'était Parano. Allez, peace.